Comment ça va? J'espère que tu vas bien et que ta chasse au trophée avance. Aujourd'hui, je suis là pour t'offrir mon nouveau guide sur un free-to-play qui, à mes yeux, est très intéressant. Et comme tu l'as vu au titre, on va parler de Vampire The Masquerade Blood Hunt. Simplement Blood Hunt pour les intimes, et c'est comme ça qu'on appellera le jeu dans cette vidéo. Allez, parlons des trophées de ce jeu de vampire multijoueur. Prépare-toi à te battre dans la ville de Prague, à sauter de toit en toit et à aspirer le sang de tes victimes. Bienvenue dans mon guide sur Blood Hunt. Alors ça donne quoi ce Blood Hunt? Avec ses 35 trophées, platine compris, tu en auras pour environ 50 heures. C'est un jeu full multijoueur et les trophées sont donc aussi full multi. C'est un battle royale où tu incarnes des vampires, tous avec des compétences bien différentes. Tu peux jouer en équipe de 3 maximum et comparé aux autres BR, celui-là apporte quand même de la fraîcheur avec des mécaniques hyper intéressantes. Mais bref, ça on y viendra plus tard, alors maintenant, parlons trophées. Absolument tous les trophées sont très simples, mais un seul fait tâche, et tu comprendras pourquoi un peu plus tard dans la vidéo. Je t'ai trié tous les trophées en différentes catégories, et on va commencer par la première, en allant de la plus simple à la plus compliquée. Première catégorie, j'ai nommé les trophées qui vont tomber absolument tout seul. Déjà, rien qu'en lançant le jeu, tu obtiendras Bienvenue dans la Mascarade, et après, il y en a d'autres qui, comme je l'ai dit, vont tomber tout seul. Il faudra par exemple que tu réanimes et que tu fasses réapparaître un allié. Bien entendu, si tu lances que dans le mode solo, ça va être compliqué, mais si tu tags en équipe de 2 ou 3, tout va bien se passer normalement. Il faudra aussi que tu t'équipes d'une arme légendaire pour pertes humaines 0-0, et cette arme, tu vas la trouver sans souci dans des coffres ou sur les cadavres de tes ennemis. C'est pas si rare que ça, donc pas de panique. Il faudra aussi que tu tues 50 soldats de l'entité, c'est les bots militaires disponibles à 7 icônes sur la map, que tu parcours 836 km, et ça tombe tout seul, ou encore que tu survives à une chasse au sang, en gros tu fais une erreur dans ta game, en gros tu tues un PNJ innocent par exemple, et tu seras en mode chasse au sang, c'est-à-dire visible par tout le monde sur la map. Tu survis durant ces quelques secondes, et hop, trophée dans la poche. Pour finir avec cette catégorie, tu auras deux trophées liés aux résonances, et comme les résonances c'est la base du jeu, tu auras ces deux trophées dès le début du jeu. Ça, c'était pour les trophées les plus simples de ce Blood Hunt. Les autres le sont tout autant, mais ça va se faire sur un peu plus de parties. La prochaine catégorie de trophées concerne les lieux. Sur la map, il y a trois types de commerces, les pharmacies, les antiquaires et les magasins de vêtements. Dans les pharmacies, tu trouveras des soins et elles sont représentées sur la map par cette icône. Dans les antiquaires, tu trouveras des armes de corps à corps et ils sont représentés sur la map par cette icône. Et pour finir dans les magasins de vêtements, tu trouveras tout sauf des vêtements, puisque tu y trouveras des armes, et ils sont représentés sur la map par cette icône. Un trophée te demande de visiter 25 pharmacies, tandis qu'un autre te demande de visiter 25 antiquaires, et que le dernier te demande de visiter, tu t'en doutes, 25 magasins de vêtements. En gros, 25 de chaque commerce. Bien évidemment, tu n'en fais pas 25 en une partie, de toute façon c'est pas possible, mais tu feras ces trophées sur la durée et sur plusieurs parties. En sachant que tu peux visiter plusieurs commerces du même type en une partie, et que tu as juste besoin de rentrer dans le bâtiment, pas besoin d'ouvrir les portes en premier, par exemple. Donc là, 3 trophées en plus dans la poche. Continuons avec la catégorie des armes. Il faudra faire 25 mises à terre avec des armes de petit calibre, des armes de gros calibre, des fusils de précision, des arbalètes, des fusils à pompe, ainsi qu'avec des armes de corps à corps. Et pour ces trophées, j'ai une petite technique à te donner, pour t'en débarrasser au plus vite, bien évidemment sans te prendre la tête. Il faut simplement faire des mises à terre, donc si tu mets à terre un ennemi et que tu attends qu'il se relève, tu pourras le mettre à terre en boucle pour booster tes kills aux armes. Et en plus de ça, quand un ennemi se relève, il n'a que la moitié de ses PV. Autant t'avouer que j'ai passé plusieurs minutes à tuer en boucle des pauvres mecs qui avaient rien demandé, ils pouvaient rien faire à part attendre que je les finisse. Mais au moins ça permet de se débarrasser des trophées liés aux armes. Petite astuce pour les kills au corps à corps, je te conseille vivement de monter ta résonance jaune au maximum dès le début de ta partie. Car elle va te permettre de faire 50% de dégâts au corps à corps en plus, et c'est pas négligeable. Surtout quand tu vois les dégâts que font ces armes, franchement ça vole pas haut.
Avant-dernière catégorie de trophées, les compétences des personnages. À l'heure où je fais cette vidéo, il y a 9 personnages jouables, tous avec des compétences différentes. Et faudra faire des trophées avec ces compétences, et ça sur 7 des 9 personnages. Faudra par exemple toucher 25 joueurs avec la compétence de l'exécuteur, ou soigner 2500 PV avec celle de la muse, etc, etc. Et ce qui est bien avec ces trophées, c'est que la technique dont je t'ai parlé pour les armes marche aussi pour les compétences. Tu mets un mec à terre, et pendant que le mec est à terre, tu le touches ou lui infliges des dégâts avec tes compétences. Et tu peux faire ça en boucle. Tu le mets à terre pour monter tes armes, tu le touches avec ta compétence, il se relève, tu le mets à terre, compétence, il se relève, et ainsi de suite. En lançant en solo, tu peux faire ça très facilement. Et en plus, certains, entre guillemets, joueurs, ne sont en fait que des bots, donc c'est encore plus simple de faire cette manip. Si durant tes games de farm, tu arrives à faire un top 1 avec un perso de chaque catégorie, à savoir Toréador, Bruja, Nosferatu ou encore Ventru, ça te fera 4 trophées en plus, et des trophées en or en plus. Donc c'est plutôt rapide et facile de faire tout ça. Mais maintenant, passons à la dernière catégorie de trophées, et là, c'est la pire. Mesdames et messieurs, les trophées liés au niveau. Et au programme, il y a un trophée pour le niveau 5, un pour le niveau 25 et un dernier pour le niveau 50. Et c'est à coup sûr ce dernier qui va clôturer ton platine. Je m'explique, pour faire tous les autres trophées, tu en auras pour approximativement 25 à 30 heures de jeu, même moins si tu utilises la technique de la mise à terre. Et après, il ne reste que le niveau à monter. Certains se disent que ça va, mais en fait pas du tout, là ça foire complet. Car le système d'XP est mal fait de A à Z. En gros, tu n'es pas récompensé pour tes games, ni pour tes kills, ni pour tes top 1. Tu gagnes de l'XP uniquement en rejoignant une partie. Ça veut dire que ta game peut durer 30 minutes, 1 minute, avec 20 kills ou 0, avec ou sans top 1, tu gagneras quasiment le même nombre d'XP. Et là ça dégoûte. Deux solutions s'offrent à toi. Ou tu joues normalement parce que tu adores le jeu et tu adores ne pas être récompensé pour tes exploits, et là tu en as pour je ne sais combien de dizaines d'heures de jeu devant toi, car oui, c'est très long à monter. Ou tu utilises la technique qui va suivre. En gros, si tu lances une game en solo que tu quittes direct une fois lancée, tu gagneras ton XP et tu peux faire ça en boucle pour monter ton niveau 50. C'est pas passionnant, mais en faisant ça, je suis passé du level 25 à 50 en 20 heures. Alors imagine sans faire ça. Ce serait beaucoup trop long, surtout que le jeu tourne en rond au bout d'un moment, comme les autres Battle Royale. Donc tu fais autre chose à côté, tu bosses, tu lances une série, tu joues à une autre console, et ça passera beaucoup plus vite. Allez, petite conclusion à chaud, ce Blood Hunt est mine de rien incroyable. Malheureusement, il n'a pas eu le succès voulu, mais sans déconner, je pense qu'il le méritait. Les mécaniques sont novatrices, la map est cool, les persos aussi, le gameplay et le feeling sont bons. Bref, c'est dommage pour ce jeu, car je pense sincèrement qu'il le méritait. Sinon, niveau trophée, le jeu fait peur quand tu ne le connais pas, mais avec cette vidéo, tu peux voir que tout va bien. Rien à signaler. Les trophées sont sympas à faire, que ce soit jouer avec toutes les armes, jouer avec tous les personnages, faire les actions spécifiques, ce Blood Hunt est une très bonne expérience pour ma part. C'est comme pour Knockout City ou Rocket Arena, je ne m'attendais à rien et j'ai été agréablement surpris. Que tu sois solo, en groupe de 2 ou de 3, le jeu reste agréable à jouer et à découvrir. Seul point noir, tu t'en doutes, le niveau 50 et le système d'XP qui est totalement à revoir. Mais Dieu merci, on peut pallier à ça grâce à la technique de farm. Donc, conclusion, je recommande ce jeu à absolument tout le monde. Il est pas dur et pas vraiment long, 50 heures de jeu à mes yeux, c'est accessible, en sachant qu'on peut aller bien plus vite. Mais attention à ne pas trop traîner, comme le jeu n'a pas marché, combien de temps ces serveurs resteront ouverts? Et ça, on ne le saura que quand il sera trop tard. Bon bah voilà, la vidéo touche à sa fin, en tout cas j'espère qu'elle t'aura plu. Si le guide t'a aidé, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire, et si ça t'intéresse, dans la description, tu trouveras mon PSN, ainsi qu'un lien vers Drop Ton Platine, mon serveur Discord sur la chasse aux trophées. Chasseurs débutants, expérimentés ou même nouveaux platineurs, tout le monde a sa place parmi nous. Avant de partir, oublie pas le petit like et l'abonnement, il y a peut-être un platine super rare qui va tomber juste après. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo ou sur la play, et je te souhaite un bon platine.